Et on va pouvoir découvrir la map. Ok. Ça a l'air d'être principalement de la route, hein. Par contre, le décor a l'air vachement travaillé. Ok, on passe chez les pingouins. Où sont les pingouins? Du coup, je me prends un mur chez les pingouins. Oh, la roue libre. Oh yes, Trackmania qui me dit une mise à jour est disponible. T'aurais pas pu me la faire quand j'ai lancé le jeu. Pas dire que ça fasse longtemps que j'ai lancé le jeu. Ok, 1 minute 09, médaille de bronze. C'est trop long, me souviens pas du tout. Toujours le même problème. Ok. Oula. Oula, le passage chez les pingouins, il m'a fait laguer. Ok. Oula. On récupère la médaille d'argent au passage et on connaît un peu mieux la route. 54 secondes pour aller chercher la médaille d'or. Il va falloir faire un meilleur départ que ça. Voilà, là déjà, on est sur un meilleur départ. J'ai oublié d'enlever les fantômes. Non! J'ai freiné juste après une roue libre. Appelez-moi Boulet. Ok. On gratte une seconde. J'ai encore 5 secondes à aller chercher un pour la médaille d'or. Je vais enlever les fantômes. On pense à ne pas freiner juste après la roue libre, ce serait mieux. Mais bon, j'ai pas freiné.
Ok, une autre petite seconde. On n'est plus qu'à 4 secondes. J'aime bien la map, ça va. Elle est plutôt sympa. Pas loin de toucher là. Allez, 7e dixième. On grappille, on grappille. Est-ce que je vais pouvoir atteindre la médaille d'or? On va voir. Mais pour l'instant, on avance. Ça a failli être dramatique. Oh, le temps que j'ai perdu sur la roue libre quand même. Ce virage à la fin là, enfin juste avant ça, c'est ça peut être clutch, hein. Ça peut être je vais juste regarder un truc. Je voulais voir si s'il y avait un moyen de cut là. Mais en vrai, il y a trop un moyen. C'est la pire vie cette carte. S'il y a trop un moyen. Ah ouais, mais est-ce que c'est rentable? Je vais essayer. Rentable en fait, en tout cas avec mon niveau de jeu. Ok, j'arrête de vouloir casser la carte. Voilà, mon PC il me dit qu'il est pas content. J'arrête de vouloir casser la carte, promis. Pareil, j'y ai pas cru. Oula. Ah ouais. Ah ouais, ça en plus.
J'arrive pas à le prendre avec plus de vitesse, ce passage. Ça m'énerve. Aïe aïe aïe, j'arrive plus à faire mieux. Je me retrouve kéblo. Ça, faut faire attention quand même. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. La map est vachement agréable. Plus il y a plein de petits moments où ça peut jouer. Oh là là, pire vie, j'ai touché. J'ai touché dans la roue libre. Et là, le PC qui commence à dire stop. Déjà. Déjà, le PC qui commence à souffrir. Mauvaise nouvelle. Ça c'est pareil, hein, c'est dramatique, ça peut tellement vite arriver. Aïe. Bon allez, dernier essai. Pas fou. Oh non. Oh, quel dernier tour pourri. Une seconde 6 derrière. Je suis 1110e. Pas fou. Au début ça allait et après plus d'inspiration. Il
1122e. Donc là, on peut se dire match 20-21, un truc comme ça, je pense. Est-ce qu'on va faire un meilleur temps juste après? Ce qui arrive assez souvent. Il y a moyen. Ah, en fait, peut-être pas. Ah, la roue libre! Ça peut être tellement dramatique. Pas fait mieux. Allez. Est-ce que ça va cracher? Est-ce que ça va pas cracher? On va vite le savoir. En tout cas, là, ça bouge pas beaucoup. Mais la caméra marche. Pas avec 3 secondes de délai. Donc, c'est déjà ça. Ah, connexion au serveur. Pas mal. Ça, c'est l'idée. Ouais. Oh! Ça commence, c'est vrai? Vraiment? Oula, 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 rends-moi mes images. Rends-moi mes images, s'il te plaît. J'ai besoin des images, moi, pour jouer. Tu te rends pas compte? Sur la fin, on n'était pas trop au point. Ça marche, hein. Ça marche. Un peu de lag pour l'instant, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ça va démarrer. J'espère pas trop de lag, mais on est bien sur le serveur. Et ça commence. Ah, clairement, mon PC, il est créateur de suspense. De suspense infini.
va essayer de faire une première run propre, ce serait bien. Aïe! Ouais, ça va être la roue libre à 2 à l'heure. Allez! Allez, vas-y! Vas-y! Incroyable! Quelle vitesse! Bon, bah, on repassera un pour la run propre. Oula! Bon, heureusement qu'il n'y a pas d'élimination au premier tour. On n'aurait même pas été éliminé, mais... non, c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure run que j'ai fait. Connu meilleur, on a connu mieux. Il faisait quoi, lui? C'est un bug du checkpoint ou... Là on voit, ça rigole plus. Les gens ils sont sérieux. Ils jouent leur vie. Ça se comprend bien. On ne rate pas la roue libre. Parce que ça aurait été dramatique. Oula! Non! J'ai freiné au mauvais moment. Ça va, je suis 32. Oui, il y a une roue libre. Oui. En vrai, non, pas trop. Parce que tu peux le faire à 2 à l'heure. Donc c'est pas si clutch que ça. Franchement, la roue libre est plus clutch. Est vraiment le moment le plus clutch. Faire une run sans erreur. Ok, 7ème et j'améliore mon temps de 1 seconde et 3 dixièmes. Ça, c'est une bonne run. Ça fait plaisir. Je suis à 2 secondes de la médaille d'or. 2 secondes, ça reste beaucoup.
J'ai fait un si mauvais départ que ça. Seizième, c'est bien. Mais j'ai fait un si mauvais départ que ça. Parce qu'au début, j'étais genre 38. Ah, y a un cut. Je ne prendrai jamais le cut, bien sûr. Ce serait une sacrée mauvaise idée. Vingt-six, ça passe plutôt bien. Voilà, tous les gens qui font le cut. Yes, yes, yes. C'est chaud quand même de tenter ce genre de cut avec si peu d'entraînement. C'est quand même un peu du all-in quoi. C'est... petit coup de frein, mais voilà, ça me rassurait. J'ai le temps. Parfois, il faut savoir prendre son temps. Peut-être un peu trop freiné aussi. Mais je fais un bon temps. Je suis 8e. C'est pas un super temps, mais je suis 8e. On va revoir les gens qui veulent, qui font le cut. Toi, tu fais pas le cut. Montrez-moi les gens qui font le cut. Aïe aïe aïe, on aura vu personne faire le cut. En fait, ils reviennent en arrière du coup dans leur cut. C'est quand même un peu bizarre.
Ok, yo, je fais 7ème et j'améliore encore un peu mon temps. J'essaye de réguler ma trage parce que de toute façon, c'est pas le moment d'aller chercher des nouvelles trajectoires. Je suis ultra concentré. J'espère que je vais pouvoir maintenir cet état. Les poteaux, les pingouins. J'aime trop les pingouins. Enfin, j'aime trop. Je trouve ça mignon comme ça, quoi. Je suis pas sûr que j'aimerais bien m'en occuper. Mais... On reste dans les mêmes temps, on reste dans les mêmes places. On se régale. Surtout, ne pas perdre la concentration. Une erreur est vite arrivée. Ah, clairement, la France en force. Non! Vie. C'était dur. C'était très très dur. Mais ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, on respire. On respire. Il ne s'est rien passé. Ok, 13, on reste dans la course. Un peu moins bien, mais on reste dans la course. C'est le principal. Ça commence à être très très chaud. Ça commence à être très très chaud. Mais on s'accroche.
s'accroche, on tient le coup. Ça c'était très nul. On pourrait sortir là-dessus. Septième, c'est bien. Même si c'est pas encore des temps très très bons, ça régale. On reste en vie. En fait, du coup, je comprends pas comment ils font le cut. Enfin, je comprends pas comment ils y arrivent. Mais ok. De chance, trop de chance, je finis 12e parce qu'il y en a un qui a abandonné et un qui a, je sais pas ce qu'il fait, mais il a mis encore plus de temps que moi, juste trop de chance. Ça fait partie du jeu, la chance. Oh, j'ai touché dès le début. En ce moment là, je suis le pire joueur. Et l'autre qui me dit qu'il fait la mise à jour Trackmania, mais sérieux? PC qui met que Trackmania peut être lancé et qu'il a fait la mise à jour. Mais what the fuck? PC, je t'adore, mais. Faut arrêter les conneries. Va falloir arrêter les conneries. Ok, allez, on perd pas, on fait top 10, c'est bon, c'est fait. C'est acté. Alors que tout le monde se met contre moi pour... cette histoire, même mon PC. Mais là, ça fait longtemps que je flirte avec les limites. Hein. Clairement, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de marge. Espérer avoir un peu de chance encore, ça nous serait bien utile.
Quatrième nouveau meilleur temps, 55-131. Moi je dis rien, je joue, on verra quand ce sera fini. À quelle place je serai. Virage ici. Hop, passage chez les pingouins. Oui, le mur était très près. Mais non, je ne suis pas éliminé. Le mur était très près. Le virage était très serré. Ça aurait pu être le drame. Heureusement, je veillais. Et cette fois, ça s'est bien passé. Ok, quatrième, avec un temps plutôt pas mal, à 2 dixièmes de mon record. Je suis content. Après, il y a toujours les gens qui font le cut. Et il y a toujours les histoires de bah, le cut, ça passe ou ça ne passe pas. Donc, tant qu'il y aura des gens qui font le cut et qui ne seront pas capables d'être réguliers dessus. Ça me donne une potentielle chance de m'en sortir. Mais là, on est vraiment plus beaucoup. Vraiment plus beaucoup. Oula, oula, les routes magnétiques, elles ont failli me détruire. Elles ont failli me détruire. Quatrième. On va faire top 5. On va faire top 5, c'est fait. C'est fait le top 5. Oh là là, incroyable. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On est dans le top 5. Bon là maintenant c'est que du bonus. Hein. Là maintenant c'est vraiment que du bonus, que du kiff. Full plaisir. Peu importe ce qui se passe, le top 5 est déjà acquis.
Ok, troisième, on améliore un tout petit peu notre record. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas comme si tu le faisais à chaque fois. Deuxième, on reste dans la course. On va être sur le podium pour la première fois de ma vie. Je me régale. Le podium. C'est vrai qu'on n'est plus que 3. C'est vrai que si je suis troisième, je suis dernier. C'est triste, ça. Je crois qu'en plus les deux autres sont. Oh, choke! Aïe aïe aïe. Les deux autres sont meilleurs, je crois. Je crois que les deux autres faisaient de l'or de temps en temps, ce genre de truc. Ouh. Ah ouais, mais non, attends, c'est parce qu'ils cut, c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'il cut ou est-ce que j'ai vraiment réussi? Oh! Oh, Moonsiders! Moonsiders! Moonsiders en PLS. Il a choke, plus que moi. Bon, je vais tout donner, hein, mais il a l'air vraiment costaud. Je ne regarderai pas les chronos. Oh, la pire vie. Ah, je pense qu'il est au-dessus de moi. Qu'il a déjà fini. Oh bah ouais, en plus il a la médaille d'or et tout. Ok, on n'était pas dans le même monde. Mais bravo. Deuxième place, c'est quand même très satisfaisant. Du coup, je suis que 1090e. Mais deuxième de mon lobby, et ça c'est la classe. Ça fait plaisir. Ça me régale. Ah, j'espère que vous avez vibré. Là, j'ai vraiment tout donné. J'étais au max du focus et j'ai réussi à garder mon focus pendant à peu près toute la cup. Mais après, la map était aussi pas trop dangereuse. Mais bonne cup, hein. Bonne cup, bonne perf.